Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Transport Fever 2 et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'aujourd'hui. Alors, au programme de cette vidéo, on va terminer de relier donc notre petite, notre triage de fret de Saint-Brieuc et on va également donc construire la gare de Saint-Brieuc, qui sera le terminus commun de plusieurs lignes, puisqu'on aura le terminus donc du RER qui va aller jusqu'à Orléans, donc les TER Orléans-Saint-Brieuc. Le terminus aussi de la ligne de TER qui ira à Saint-Flour. Le terminus de la ligne Montpellier, du coup, bah, Montpellier-Saint-Brieuc. Et il y a fortement moyen pour que dans le futur, il y ait une ligne aussi qui fasse Saint-Brieuc-Angers. Alors, même peut-être, je sais pas si ce serait... Non, ce serait pas logique que ce soit la même ligne qui arrive de Montpellier, qui y a eu jusqu'à là-bas. Non, je pense que ce sera encore une autre ligne. Donc, bref, donc il y aura 4 lignes terminus plus les trains de fret qui passeront, puisque on aura aussi une grande liaison fret entre Saint-Brieuc et Angers. Parce que je pense qu'il n'y aura pas une grande demande entre les deux villes. Après, Angers sera relié... Enfin, Franconville, du moins, sera relié directement en TGV. Mais je pense que Angers aussi sera relié directement en TGV à Montpellier. En passant, bah, du coup, par plutôt par là, quoi. Donc, bon, on verra ça en temps voulu. Et donc, la gare de Saint-Brieuc. Donc, pareil, on va partir, je pense, sur une assez grande gare. Et on va faire une gare... Du coup, là, vu que mes voies... Donc, vous voyez que j'ai... Donc, on a la ligne droite que j'ai faite dans la dernière vidéo... qui monte ici, avec là le triage du coup de ce côté là, et là on arrive en gros, j'ai fait revenir sur du plat et on est en hauteur, hein. Vous voyez que là clairement on est en hauteur, il n'y a aucun doute là dessus donc on va faire une gare en fait finalement en hauteur. Donc regardez, on va faire ça, comme ça on va mettre là. Alors je vais placer les quais petit à petit. Voilà, on va prendre un quai donc de 240 mètres. Tac. Et on va placer du coup une gare, vous voyez. Où sont-elles? Ouais, alors non, du coup, c'est pas ça. Non, c'est pas celle-là. Ça doit être. Ouais, ça doit être ici. Voilà. Et le but est donc. Oui, de mettre une gare. Comme ça en fait, finalement, une gare moderne, même peut-être pas si moderne, ou on peut peut-être se prendre ce mode là. Alors, est-ce que ça marche en le mettant, ok, sur des rails? Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le quai, la centrale, on va mettre des rails de part et d'autre. Alors on va limiter la gare à peut-être à faible allure, sachant que là j'ai mes deux voies de fret qui vont venir ici de ce côté là, donc je pense qu'on va limiter la gare à faible allure, genre à 80. Si tant est que 80 soit une faible allure, mais c'est quand même pas le plus rapide. Donc on va faire genre ça. Ah là j'ai mis du... Ouais c'est bon, c'est bon, c'est bien en 25 000. J'avais peur que les rails que je pose ne soient pas en 25 000. Hop. Voilà, ensuite là... Donc ça aussi 80. Hop, on va ensuite mettre là un autre quai et on remet là des rails à 80. Et donc là on va mettre un autre quai, donc voilà, on va mettre les... Là pour le coup on va mettre les quais de base du jeu. On va pas s'embêter si on veut que ça fonctionne. Comme après c'est quand même... Alors, peut-être tu peux mettre les quais de base du jeu sans assets. Et je pense que ça fonctionnera tout aussi bien. Ouais, ceux-là. Nos assets. Donc là, il y a plus de rails, c'est normal. Et donc là, bâtiment. Hop, alors. Donc. Ok, ça c'est ce qui va de l'autre côté. Donc faut faire toute la longueur. C'est pas les passages qui vont manquer. Et là, ah non, mais vous voyez que on est trop large là. On est trop large, ça marche pas. Alors attendez, si je la mets là.
Ah, il manque un cube au milieu, zut. Ah ouais, ça c'est chiant. Et ceux-là, ils font 3. Ceux-là sont plus larges. Ce bâtiment-là est plus large si je le mets là. Et toi? Et toi, si je te mets là? Alors du coup, on s'en rend pas compte. Je vais enlever toi. Ah, ça fait toujours une texture là au milieu. Ouais, du coup, là, la ma. Oula. Je reprends ma phrase. Ma gare est trop large. Mais il nous faut quand même. Il nous faut quand même tout séquer en fait. C'est ça qui est chiant un petit peu. C'est que bah, je peux pas faire sans ces voies-là finalement. Alors après, par contre, j'ai pas besoin d'avoir de bâtiment spécialement de ce côté-là. C'est vrai aussi. Bon, bah, je pense qu'on va quand même partir là-dessus. Même si ça nous fait un peu une cacade. Comme après, on n'a pas non plus mille et un choix, quoi. Après, on met des passages souterrains. On va peut-être pas mettre cela. Plus, on va mettre cela. Ou cela même. Ouais, non, noir, c'est pas beau, hein. Voilà, hein, il nous faudrait ça en fait, hein. Clairement, il nous faudrait ça. Parce que là, on peut pas vraiment se passer de tout ça. Donc, ça donnerait quoi? Ou alors, je peux même rajouter un quai là sur le côté pour mes TER. Parce que du coup, mes TER, non, mais je pense que mes autres TER, ils passeront là. Ils feront le tour de la ville, ils commenceront comme ça à prendre de l'altitude là pour monter. Donc ouais. On peut déjà faire ça. Hop. Là comme ça grossièrement. Alors si on arrive à cailler toutes les aiguilles à 80, écoutez, c'est bonus, hein. Ce serait vraiment le top. Alors là, on peut essayer de gratter un petit peu en longueur pour justement mettre toutes nos aiguilles à 80 tout en ayant un petit peu de marge. Ouais, en fait, il nous faudrait ça quand même. J'étais en train de réfléchir à la pertinence, mais oui. Ensuite, toi. Toi. Ah, maintenant qu'on peut mettre trois aiguilles en même temps, hein, finalement, on se fait plaisir. Et ça nous permet là de faire un système d'aiguillage finalement assez compact. Et il sera encore plus compact si. Ah ben non, toi je peux plus. Toi là je peux plus. Ah si, c'est bon. Là j'en ai deux. Donc là si j'arrive à mettre une aiguille là, qui va à droite, mais ouais, ça va être compliqué à caler. Non, ben tant pis, on reverra ça après. Bah, c'est juste que là ça fait un truc pas beau, hein. Et puis c'est vrai que ce serait quand même plus logique aussi d'avoir une entrée de l'autre côté. Alors après, les autres bâtiments, bon, sont pas spécialement non plus le mieux. Ou sinon, il faut qu'on réduise la taille, mais du coup, on perd nos deux voies de passage finalement pour nos trains de marchandises, parce que là, en gros, là, les deux voies qui sont au bord, hein, ce serait pour faire ça. Ce serait pour faire ça et nos trains de marchandises, parce qu'il y en aura beaucoup qui continueront derrière pour aller soit vers Saint-Flour ici, qui passeront comme ça en fait, puisque là on va faire monter la voie, hop, et aller vers Saint-Flour, ou qui iront vers Angers. Donc c'est quand même deux voies super utiles. C'est deux voies super utiles.
Il faut qu'on ait ces deux voies de passage quelque part. Et donc là, c'est quand même le meilleur endroit. Et ensuite, avec nos quais pour nos trains terminus. Sachant que là, notre ligne, enfin, on arrive finalement sur une 4 voies en plus. Je pense qu'on va garder ça, même si ça nous fait une texture pas belle. Après, comment je fais en asset pour... Est-ce que j'ai en asset cette texture-là? Si je cherche wall... Donc j'ai ceux-là, bien sûr. Ah oui, je les ai là en asset. Vous voyez, donc l'avantage, c'est que je peux continuer de faire un mur. Je peux continuer à faire un mur, ouais. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah, je peux même en choisir la texture et tout, là. Je crois que là... Ah oui, d'accord, mais c'est le en bas. Ok. Ouais. Bon, on va... Bah, du coup, on va quand même faire ça. On va quand même faire ça, malgré... malgré le petit bug. Enfin, le petit bug. C'est pas vraiment un bug, mais le petit malus, quoi. Comme c'est quand même un malus. Alors là, ça, ouais. Le problème, c'est que là, j'ai mis deux rails, mais du coup, ils sont même pas collés. Alors, ça sert à rien. Ouais, il faudrait quand même que les deux, là, soient collés. Alors là, on descend un certain niveau, hein. Ouais, ça nous fait quand même une sacrée pente. Alors, attends, est-ce que ça nous marque la pente? Non. En tout cas, c'est pas une pente où on monte. Je pense... Ouais, ok, ça nous fait une sacrée pente. Mais bon, après, on n'a pas le choix que de la caler. Pour accéder au triage, c'est toujours la même chose. Hein, si on veut accéder à notre triage... Comme après, on est quand même vachement limité, en fait. Alors, sinon, on va essayer de gratter un petit peu en longueur. Hop. Ouais, peut-être que ça fait une pente plus douce, quoique même pas sûr. Pas sûr que ce soit plus doux, finalement, hein. J'ai l'impression que c'est pas vraiment plus doux. Allez, on va valider ça. Et on restera là-dessus parce qu'il nous faut bien un jour une version définitive. Ouais, c'est pas plus doux. Ça va, c'est pas pire. C'est loin d'être le mieux, hein, mais c'est pas pire. Et là, par contre, ouais, je crois qu'on n'aura pas la place pour couper, hein, ça fera dégueulasse sinon. Ok, bon. Donc, ce qu'on va faire là, déjà, c'est que je pense qu'on va abandonner le 80 au profit du 60. Parce que quand même, à 60, c'est beaucoup plus simple. Donc là, voilà, on va mettre les deux voies centrales ici et là. Hop. Là, on se met un aiguillage comme ça. Hop. Qui va là. Toi, du coup, tu vas ici. Là. Donc là, on fait pareil. On fait pareil. Hop, je vais mettre toi. Tac. On fait pareil dans l'autre sens, quoi. On met un aiguillage là. Et on met du coup aussi... Bah, du coup, toi. Voilà. Ça, c'est ok. Ensuite... Là, il nous faut ça. Alors, ouais, du coup, ça va pas vouloir rentrer. Oh là là, on se lance dans une galère, là aussi. Hein. Là aussi, on se lance dans une galère.
Le mieux serait d'avoir un angle qui permet de mettre des TJD, mais je pense que là, on n'y est pas du tout. Hein. On va regarder quand même par curiosité ce que ça nous donnerait comme vitesse. Voir si on en est proche ou loin. Ouais, on en est quand même loin. De l'angle qu'il faudrait. On pourra toujours changer la vitesse des voies en gare après pour mettre du 60. Parce que ce serait bizarre d'avoir des voies en gare à 80 pour que ça donne accès à des aiguilles finalement à 60. Sauf les voies centrales qui sont du coup des voies de passage. Hop. Ah, 51, c'est de pire en pire, hein, dis donc. J'ai du mal à jauger là avec cette fichue courbe. L'angle que je donne. C'est pas évident, évident. Là, on devrait pas être mal, non? À 54, on est de retour comme tout à l'heure. C'est horrible. Là. Là, ça tourne presque plus. Je pense qu'on est à 60. Ouais, 70, 60. Hop. Donc ça nous donnerait ça. La TJD. Tac. Ok. Là, toi... Et ben on te relie comme ça. Ah j'ai vu que ça a mis du... Ah oui ok c'est ça. Ensuite donc il nous faut également la possibilité de faire ça comme ça. Et derrière... Alors, il nous faudrait ça, avec là, une TJD à 60. Ok. Là, il faudrait qu'on cale la même chose. Voilà, de toute façon, là, c'est des voies... Les voies terminus comme ça, hein, c'est une vraie galère. Et le problème, c'est que pour mettre l'autre voie qui va tout re-zigzaguer, ça va être chaud. Donc je pense que, ouais, on s'arrangera pour que nos trains coupent de ce côté-là. C'est marrant, le jeu, comme parfois, il bug pour rien. Pour caler des voies assez simples à mettre. Est-ce que là... Ah, peut-être que là, on a moyen de tout traverser comme ça, non? Non? Peut-être qu'il y a un moyen. Il y a peut-être un monde où ça passe. En vrai. Là. Faire ça, là. Peut-être un monde où ça passe. On vise à peu près bien. Non. Non. Ok, ça passe pas. Bon bah c'est tant pis, ça passe pas. Est-ce que là je pourrais pas au moins passer comme ça? Ah, si, ça, ça passe. Ok. Là... Toi, est-ce que tu rentres à 60? Oui. Et là, c'est là où c'est technique, c'est qu'il faut que j'arrive à casser déjà juste ce petit bout et qu'on traverse là. On y arrive, hein. On y arrive, on y arrive. En s'accrochant à notre objectif. On finit par l'atteindre. Et comme ça, là, je peux enlever toi. Ça tombe bien, t'étais moche en plus. Bon, ça nous fait un sacré pataquès comme ça.
Donc là, ça rentre à 60 aussi, nickel. Ok, bon. On s'en sort, hein. On s'en sort, on s'en sort. Tant bien que mal. Là, au moins, on a ce qu'il nous fallait. On a ce qu'il nous fallait. Au moins pour là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre à 60 et comme ça, ensuite, tu pourrais changer les vitesses en fonction des voies où j'ai un intérêt à les changer. Donc, c'est-à-dire la voie centrale, si je dois avoir des trains qui traversent vraiment la gare sans s'arrêter. Ça me fait comme ça une traversée à 80. Alors, du coup, je vais mettre 80 avec des rails en bois. C'est quand même mieux. Voilà, ça nous ferait ça. Sinon, tout est à 60. Quoique, on peut presque tout mettre à 60 indirect. Bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Ensuite, je vais mettre la sortie de la gare, donc de l'autre côté. Ok. Bon bah malheureusement il y a ce bug de texture là, faudra pas regarder de trop près. Et ici, ouais je sais pas, je suis mitigé là sur la vitesse de la gare. De toute façon tous nos trains seront terminus ici. Bon, de toute façon je pense qu'on va assez rapidement tout caler à 60. Là on va partir en plus sur du pont. Oh, quoique, on peut partir sur le petit mur comme ça. Ah, il est vachement haut là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen là de rehausser un peu le terrain quand même? On va quand même un peu rehausser la ville, le terrain de la ville. Ouais, tout ça se reconstruira. Hein. On rehausse un peu le niveau parce que quand même. Sinon, c'est relou. Il faudrait juste que je mette un tout petit peu plus bas pour que ça nous permette quand même de mettre, voilà, le mode point H0, enfin le mode des ponts. Voilà, et puis là on peut caler ça là. Hein. Voilà. Donc on cale tout ça. L'avantage de ça, c'est qu'on peut mettre facilement un pont. Voilà, hop. Et en plus là-dessus, on peut très facilement mettre les aiguilles aussi. Ça présente quand même de nombreux avantages. Hop, donc là voilà, on fait ça, hop. Ce qu'on va faire, c'est que toi, ce qui serait bien, ce serait, bah toi en gros. En gros. En gros, là, il y a ça. Voilà, on va le faire progressif, hein. Hop. Là ensuite on met toi. Donc on met bien sûr toi. Sinon ça va être difficile pour le train d'avancer. Hop. Et là-dedans du coup on cale ça. Donc voilà, au moins ça fait la voie à quai pour les trains qui arriveront de Saint-Flour. Voilà, ça fait la voie à quai pour les trains qui arrivent de Saint-Flour. Même à la rigueur, on pourrait faire Saint-Flour-Angers, du coup, en passant par derrière. Est-ce que ça ferait pas une ligne, du coup, Saint-Flour-Angers?
Et puisque là, de toute façon, la ligne, on a dit qu'elle irait de Terminus à Limoux, je crois. Je crois que c'était le projet, hein. C'était plutôt que ça aille à Limoux. La ligne qui arrive de Montpellier. Donc ça pourrait faire Saint-Flour-Angers. Seul problème, c'est qu'on va arriver à la gare comme ça et il faut repartir comme ça. Ouais, donc je pense que ce sera quand même deux lignes différentes, hein, à mon avis. Donc là, au moins, ça nous fait déjà une ligne comme ça. Ok, bon. Petit à petit, hein, on va y arriver. On va s'en sortir. Ensuite, il faudrait donc mettre aussi une ligne comme ça. Alors là, c'est chiant parce que du coup, là, ça va me mettre du talus. Alors que moi, j'aime bien quand ça ne me met pas justement de talus. Là, ça va à tout prix. Je sais pas pourquoi me mettre du talus. Hop. Ah bah oui, parce que là, du coup, on arrive et on se raccorde avec du talus. Donc, logique. Ouais, il faudra que je cale tout ça en point 0, hein, du coup. Et là, du coup, il nous faudrait ça. C'est fou, ça veut à tout prix mettre du talus. C'est chiant, du coup, ça veut pas me caser l'aiguille. Ah si, là, ça voudrait bien. Voilà, comme ceci. Bah là, du coup, ça fait un espèce de creux entre les deux. Aïe, aïe, aïe. Là, j'arrive pas à trouver quelque chose qui me satisfait, hein. Ça fait un espèce de creux entre les deux. Ça ne me satisfait point. Alors, ce qu'on peut faire là, c'est mettre un rail qu'on passera en mode rail invisible. Tout à fait au milieu. Donc toi, on passera en mode rail invisible. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est du coup toi. Et là, pareil, là, il faudrait un rail ensuite ici que je passe en mode rail invisible pour combler là le creux au milieu. Ok, donc on va d'abord mettre les rails invisibles. Donc toi, du coup, t'es invisible. Et toi, là, aussi. D'ailleurs, invisible et pas électrifié, tant qu'à faire. On va pas électrifier un rail invisible. Bon, là ici, ici, on peut le mettre. Hein. On peut se mettre la vieille voie qui sert à rien. Dans le principe. Maintenant. Que tout ça est bon. Comme il faut quand même qu'on mette les aiguillages. Et alors là, le jeu ne veut plus, bien sûr, me mettre d'aiguilles. Alors je crois qu'il faut que je mette un vrai rail pour que ça puisse me mettre des aiguilles. Même pas. Non, c'est juste en fonction de où je démarre, d'accord. Ok, d'accord. Alors. Là, où est-ce que ça veut bien marcher? Là, ça fonctionnerait. Ok, il faudrait venir pile poil ici. Ok, pourquoi j'ai trois voies d'ailleurs, moi? Ah oui, parce que c'est une voie que j'ai pas encore. Ben, on n'a qu'à dire que la voie du milieu, ensuite, elle finira en heurtoir. Donc, dans l'idée. Dans l'idée, du coup, ça donnerait ça. Ensuite, il y aura toi.
pour traverser ici. Parce qu'en fait, j'ai envie de mettre un pont derrière. Hein, pour que mes voitures puissent quand même circuler dans la ville. Donc là derrière, j'aimerais bien caler un pont. C'est pour ça que j'aimerais bien caler tout ça. Tranquillement. Avant du coup le pont. Donc là, ok, tac. Au moins là, on peut aller tout à droite. Là, du coup, est-ce que là, la TJD, elle rentre? Ouais, elle rentre. Puis dans ce sens-là, on s'en fout, ce sera pas pris. D'accord. Ensuite... Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible de cailler des aiguilles là sur un pont comme ça, enfin sur ouais un, avec ce mode-là de pont, c'est vraiment très pénible. Donc là il nous faudrait, comme là on a toi, là il nous faudrait toi. Et je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va essayer de caler le pont derrière pour voir à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Alors bien sûr, en plus on n'a même pas la hauteur pour, évidemment. Donc on va prendre la hauteur pour. Hein. Voilà, le but là serait de caler un pont métal comme ceci. Voilà, donc on va mettre toutes les voies. Hop. Alors celle du milieu, on va l'enlever, ne vous inquiétez pas. Bon, là on met les trois voies, voilà. Donc on enlève celle-ci. Donc là, ça fait bien le rebord, ça c'est nickel. Là on met les trois voies, comme ça on dit qu'il y en a une donc, qui est en heurtoir. Là il faudrait même qu'on fasse ça. Si on veut être tout à fait bon, ça passe sur le pont. Ok, bon, pour une fois, c'est plus simple. Hein. Hop. Là. Est-ce que ça, je peux le mettre, du coup, en mode invisible? Et là... Ah, mais du coup, là, ouais, ça traverse. Ça traverse, quoi. Ça fait pas logique. Sinon je mets la voie qui vient en heurtoir ici, qui passe en invisible quand même un petit peu avant, parce que bon. Et puis voilà, et là la voie ira vers rien. Donc là on peut mettre ça. Ok. Bon voilà, ça donnerait ça. Je pense qu'on va pas trop y retoucher plus, parce que c'est déjà quand même une galère. Ensuite là du coup on arriverait à caler un pont. Et derrière du coup, toi tu tournerais comme ça, c'est l'objectif. Alors là ensuite ça partirait sur un tunnel. Mais voilà, hein, tu tournerais hop pour monter finalement. Commencer à prendre de l'altitude pour monter quoi. Donc ça, hop, voilà, on va partir là-dessus sans plus de détails pour l'instant. Et ça... Ça part du coup par là. Alors on va peut-être prendre une vitesse un peu plus élevée. Voilà, ça part par ici. Direction... Angers. Voilà. Voilà, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier toi, hop, comme ça, tac.
Et puis là, voilà, ici, on a toi qui sera terminus ici. Une petite voie pour notre interminus, admettons. Bon, c'est pas forcément logique au niveau des voies. En vrai, sinon, faut que j'enlève celle-ci, la voie la plus à droite, faut que je l'enlève. Bon, après, elle est pas. Ah, tiens, ça. Oula. Oula. Ouais, bah, au pire, on va l'enlever. Hein. Pire, on va l'enlever. On n'a pas besoin spécialement de voie de terminus. S'il y a les voies à quai, ce sera bien comme ça. Hein. Voilà. Seul bémol en faisant ça. Alors, toi, du coup, je peux t'enlever. Voilà, hop. Seul bémol en faisant ça, c'est que là, ça nous fait un truc, une courbe bien moche. Qu'on va essayer de s'améliorer. Allez, on est. La vidéo ne se terminera pas tant que je n'aurai pas un résultat satisfaisant, mais on en est très proche du résultat satisfaisant. Voilà, je pense que on y arrive. Donc là, on met toi. Là, on fait juste ça. Voilà, pour combler un peu le creux ici. Hein. Et ensuite, on met toi ici. Et là, on est parfait. Hop! Voilà. Et du coup, il faudrait qu'on fasse une croix comme ça. Alors du coup, il faut peut-être d'abord que je mette l'autre taux pour bien avoir toutes mes aiguilles à 60. Voilà, comme ça, là, on peut aller là, on peut aller là. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Ok, ben on valide. On valide, c'est le look final du coup de la gare de Saint-Brieuc. Bon, okay, c'était pas du tout une galère à construire ici, hein. Absolument pas. Donc voilà, on va hop, re-terraformer ça comme il se doit. Hop, voilà, là on amène tout ça ici. Tac. Voilà. Bon là on laisse un peu plus bas ici, mais là on est en gros. De toute façon là on est au niveau de la ville. Oh, on est même un peu plus bas que le niveau de la ville. Ok bah c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Là on va pouvoir mettre caler la rue qui va venir devant la gare. C'est chiant maintenant que les routes snap avec les rails. C'est que ça veut les coller. Alors que bah moi je veux pas spécialement les coller. Ok, nickel. Tac. Là, on se met ça là. Toi, on va te mettre là. Toi, on te met là. Ok. Hop, toi, je te casse. Je te mets là. Voilà, ensuite, donc ici, bon, ici il y aura une grosse rue. Hein. Une grosse rue là qui va passer en dessous. Parce que je pense que on aura une autoroute, enfin une autoroute, au moins une voie rapide. Et qui arrivera là. Hein. Peu de choses près. Peu de choses près, la voie rapide arrivera là. Voilà, arrivera à peu près par là. Et au moins là on peut se mettre un rond-point. Et comme ça voilà. Connectera. La dite voie rapide. On n'a même peut-être pas besoin de descendre autant en profondeur. Hein. Oh, peut-être pas. Voilà. Peut-être plus comme ça. Ok.
Ok. Et là, on est satisfaisant. Très satisfaisant. Là, on va faire ça, là. Hop. Ensuite, ça, ici. Ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, on y arrive quand même tant bien que mal, petit à petit. Je vous remercie du coup d'avoir suivi cet épisode. Moi, je donne rendez-vous très vite pour le suivant. Et dans le suivant, on mettra en service enfin le RER. Hors vidéo, je vais mettre la signalisation, etc. Comme ça, on fera le cabrail de notre ligne de RER complète dans le prochain épisode. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Léo. A plus.